Le CERN de Tours a la particularité d'être, de fonctionner comme un campus. Tu as une école primaire, un collège, la fac de music hall, le conservatoire, ce qui fait que ça brasse énormément de monde, des gens de tout âge et tout niveau. Et c'est primordial pour moi que les élèves comme les étudiants puissent travailler avec d'autres. Donc on fait beaucoup de collaborations avec l'orchestre, avec les classes de chant. On a une guitare romantique dans la classe qui permet de valoriser le répertoire classique et romantique. Ça me semble primordial que les élèves, même tout petits, puissent jouer avec les autres, être au contact, partager la scène. Comme beaucoup de jeunes pendant les années 60 s'accompagnaient avec une guitare en chantant, qui est quelqu'un qui a une très belle voix, qui a fait un peu de guitare classique aussi mais sans vraiment apprendre à lire la musique, qui a fait aussi du picking, c'était la grande mode de Marcel Dadi des tablatures. Et quand mes parents m'ont proposé de faire de la musique, tout naturellement je me suis tourné vers l'instrument de papa. En fait, mais je suis allé naturellement m'inscrire au conservatoire de la ville où j'habitais et j'ai découvert beaucoup de musique passionnante. C'est-à-dire que je dois rendre aussi hommage à mes profs de formation musicale. J'ai découvert le patrimoine classique grâce au conservatoire. Chez moi, personne n'écoute de musique classique. Mes parents écoutent plutôt du jazz, de la chanson, du flamenco, de la musique brésilienne. La musique classique, c'est plutôt... C'est à moi, en fait. Et c'est devenu une passion, en fait, à l'adolescence, quand j'ai découvert la musique de Stravinsky. J'ai une sorte de choc esthétique en découvrant les trois ballets russes de Stravinsky, et surtout le Sacre du Printemps, qui est vraiment pour moi une œuvre à la naissance de ma vocation, on va dire. C'est-à-dire que j'aime naviguer justement dans des univers et des esthétiques très très différentes. Et c'est ce qui est formidable avec la guitare, c'est de pouvoir aborder des musiques extrêmement variées. Je fais partie d'une génération qui écoute beaucoup de musiques très différentes. De la musique classique, mais aussi énormément de musiques actuelles, de la musique ancienne et de la musique contemporaine évidemment.
Comme je disais, moi j'adore Takemitsu, Stravinsky, Ligeti, sont des compositeurs très importants pour moi en tant qu'auditeur. Donc en tant que musicien, naturellement, je suis tourné aussi vers la musique de mon époque. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de travailler avec des compositeurs, de travailler avec le créateur de son vivant, c'est un privilège extraordinaire. Ça relativise aussi beaucoup le rapport à l'écrit. On s'aperçoit qu'en fait, le texte est vraiment fonction d'un environnement culturel. Et de pouvoir demander au compositeur, même ce qu'il a voulu dire dans les signes qu'il écrit, c'est absolument fantastique, c'est très très enrichissant. Et c'est vrai qu'on est aussi dans un moment où les choses ont tendance à se standardiser, on vit dans une société de consommation, on est dans un bain de musique tonale, on ne peut pas aller au restaurant ou aller dans un café sans qu'il y ait de la musique, sans entendre toujours en plus le même genre de musique. Le pire, c'est à Noël, hein, dans la rue. C'est infernal. Donc de lutter aussi contre ça en jouant une musique qui est différente, de faire un pas de côté, c'est modestement et sans vraiment d'acte militant pour autant, c'est aussi un certain acte de résistance artistique. Alors, dans l'esthétique classique basique, je pense que la recherche pour à peu près tous les instruments est la même. Le son de base, c'est un son plein, chaleureux, on va dire. Mais ensuite, je pense qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas chercher le beau son, il faut chercher le bon son pour la musique que tu vas jouer. Et ce n'est pas forcément un beau son. Tu peux avoir besoin à un moment de choses violentes, voire agressives, si la musique le demande. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une palette sonore assez variée. La question du son à la guitare, c'est beaucoup la question du poids en fait, que tu vas mettre sur la corde. Si tu trouves pas le poids, tu auras beau tailler les ongles dans tous les sens, ça fonctionnera pas. Donc déjà, c'est cette recherche-là, du toucher, du poids à mettre sur la corde, et ensuite, évidemment, aussi l'angle d'attaque, énormément de mobilité, je pense. C'est-à-dire l'économie de mouvement, c'est bien, certes, mais je pense qu'il faut aussi aller chercher la palette sonore, non seulement en allant latéralement de la touche au chevalet, mais aussi en travaillant l'angle d'attaque, ainsi que plus ou moins de peau. En fait, il y a des possibilités d'expression et de nuances dans le son de la guitare, de timbre qui est infini. Et c'est ça qui a aussi, je pense, fasciné beaucoup de compositeurs au XXe siècle. L'équilibre entre la vie familiale, pédagogique et artistique, c'est difficile à réaliser. C'est vrai que je joue beaucoup, je suis impliqué dans beaucoup de projets différents. Cette année, j'ai dû jouer 7 ou 8 programmes différents. Enfin, donc je travaille tout le temps, je dois apprendre beaucoup de pièces nouvelles, je dois libérer du temps. Et c'est vrai que je suis très bien entouré. C'est l'occasion de remercier ma compagne qui elle-même, même si elle a beaucoup de travail de son côté, m'aide beaucoup à libérer du temps. Et comment dire, j'ai beaucoup beaucoup travaillé quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune, et c'est vrai que pour répondre à ta question, je fais pas d'exercice, je travaille pas spécialement à la technique. D'une manière générale, j'essaye de pas séparer technique et musique de toute façon, donc j'ai des routines d'échauffement, mais je passe pas des heures à travailler ma technique. J'essaie d'être efficace. Voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler dans un endroit la nuit, de pouvoir m'isoler. Et voilà. Quand tu veux.